Entre-temps, le ministre des ITPR, Fridolin Kasuechi, a échangé hier en soirée avec le directeur général de l'entreprise Sinohydro, un entretien qui a tourné autour de la coopération entre le gouvernement de la République et cette entreprise qui, en plus des routes, voudra aussi investir dans le domaine de l'énergie. Jude Kaboula, Blanchard Bayembe. L'avenue des points lourds, telle que projetée dans la vision de la modernité au gouvernement de la République, va prenant forme des deux voies d'avant. Cette route, traitée par la firme Kitano, sur un financement du Japon et du gouvernement de la République, propose à ce jour quatre voies. La seconde phase, qui va de la 14e rue à Force Navale, reçoit la seconde couche de bitume. Le ministre Kasuechi, parti ce dimanche inspecter ce chantier, était satisfait de remarquer les différentes opérations de vérification des agents. Par rapport au volume de la couche, le jet des éléments plus fins pour garantir davantage de confort à la chaussée. Ils sont aujourd'hui plusieurs, les conducteurs qui apprécient déjà la stabilité de l'avenue des poids lourds dans sa nouvelle configuration. Sur le boulevard Lumumba, en élargissement à 8 bandes, le pont Jili, qui suit le même mouvement, évolue aussi très vite. Cela en même temps que les autres phases de ce chantier. Médard Ilunga, directeur général à l'Agence congolaise des grands travaux, précise. Le pont Jili, vous avez vu qu'à ce jour, la préfabrication au niveau de la base vie est suffisamment avancée. On est en train de préfabriquer donc les poutres. Vous avez visité tantôt le premier pieu qui avait connu des accidents. Nous l'avons totalement terminé et demain nous allons procéder au bétonnage de la partie qui a été récépée du pieu avant que nous puissions poser le chevêtre. Et donc de ce côté-là aussi, il restera deux chevêtres et trois pieux que nous allons commencer très rapidement aussi. Vous avez aussi vu que nous sommes en train de faire les préfabriqués pour le démarrage des travaux du Dalo au Capi. Donc ce dalo va se faire très rapidement aussi parce que nous devons commencer d'abord la démolition de l'ancien dalo. Ça va naturellement essayer de boucher à moitié le trafic. C'est une perturbation que nous annonçons déjà mais qui est nécessaire. Alors sur le lot 3, vous constatez aussi que les caniveaux ont sérieusement avancé. Du côté droit en avançant vers l'aéroport, il nous reste pratiquement sur un premier tronçon, nous avons plus ou moins 500 mètres. Et ici au bout, vers l'aéroport, plus ou moins 200 mètres. Une autre preuve, l'engagement du gouvernement de la République d'offrir aux habitants de la capitale une possibilité de circuler plus aisément. Vous avez certes compris que nous sommes allés très vite en besogne avec le ministre des ITPR qui était ce dimanche sur l'avenue des Poids Lourds où à ce jour la seconde phase des travaux va peu à peu vers l'achèvement. Vous l'avez vu, le ministre a apprécié l'assiduité des ouvriers de la firme Kitano avant de se rendre sur le chantier du boulevard Lumumba où le pont Jili évolue plutôt bien. Et nous allons à présent revenir sur ce que nous avons annoncé tout à l'heure. Le ministre Fridolin Kasuechi a échangé hier en soirée, je l'ai dit, avec le directeur général de l'entreprise Sinohydro, un entretien qui a tourné autour de la coopération entre le gouvernement de la République et cette entreprise qui, en plus des routes, voudra aussi investir dans le domaine de l'énergie. C'est une preuve de plus de la parfaite collaboration entre la Chine à travers ses multiples entreprises et la République démocratique du Congo. Vendredi 19 avril, c'est le directeur général de la société Sinohydro qui est venu à la rencontre du ministre Kasuechi pour échanger sur les interventions de sa firme dans le programme du gouvernement. Au-delà des routes et bâtiments, Sinohydro fait aussi dans le domaine de l'énergie. Le vœu est donc exprimé, Sinohydro voudrait que lui soit ouvert aussi ce secteur en RDC. Le gouvernement de la République s'est proposé de relier très prochainement le centre-ville de Kinshasa à l'aéroport de Njili par un boulevard. Et Sinohydro se dit également intéressé par ce marché. Le ministre a pour sa part encouragé cette entreprise qui manifeste beaucoup d'intérêt pour le développement des infrastructures en RDC. La Chine qui, aujourd'hui, avec une plus grande superficie que la RDC, a atteint 70% de routes asphaltées, devrait servir de modèle à la RDC qui n'en est aujourd'hui qu'à 2%, a estimé le ministre. Kasuechi a aussi émis le vœu de voir les travaux de construction de la route Niania-Beni confiée à Sinohydro démarrer d'ici le mois de mai.